Cette vidéo est sponsorisée par les boulangers sous LSD. Et salut à tous, c'est Adran, et aujourd'hui on se retrouve pour le début d'une petite série sur Minecraft que je ne pense qu'il ne sera pas très longue, d'ici genre une dizaine d'épisodes, tout au plus, à tout casser, dirons-nous. Et voilà, on est parti, donc là on va jouer à un survival parce que sinon c'est pas drôle, et là le moment le plus dur de tout ce qui est imaginable. Le nom de la map. Bon, ça a l'air de bien. Bon, c'est, on va appeler la série comme ça, Adran Melek l'explorateur. Vas-y, crée-moi une petite map. Hop là. Bon. Bah allons-y. Donc voilà. On est parti pour une petite série à Minecraft, je sais pas, on va chercher un but, j'ai retrouvé un donjon. Enfin, un vrai donjon, vous savez, pas un mob spawner, un donjon. Je sais pas, un truc comme ça, et puis. C'est plus histoire de changer un peu, parce que. Voilà, je. Voilà, je. Histoire de se diversifier. Si vous le savez, en fait. À la base, j'étais pas très chaud parce que je me dis. Au début, je me suis dit. Toi-même, t'aimes pas trop Minecraft, les vidéos, parce que. C'est une espèce de d'océan qui se noie dans 10 000 youtubeurs qui font 10 000 vidéos sur YouTube que de Minecraft et machin et trucs. Puis au final, je me suis dit, bon, une petite série ne me tuera pas. Puis je pense que ça vous fera plaisir un peu de changer, d'ouvrir du cube. Je pense que ça ne vous déplaira pas. Enfin, j'espère, parce que ça se peut, on va s'emmerder comme pas permis. Mais voilà. Une petite série comme ça, parce que j'en ai envie. Ça fait du bien aussi des fois de se détendre. Donc voilà, je pense pas qu'on va dépasser beaucoup de trucs. Bon, en attendant, je récolte du bois, vous m'excusez, c'est méga passionnant, vous avez vu tout ça. Voilà, c'est un peu ça que j'ai peur. En fait, c'est un peu ça que j'ai peur, c'est que vous voyez là, déjà ça commence bien, on s'emmerde. Crève. Donc on a un 1.8, je n'utilise aucun add, enfin aucun mod, moi je dis add-on mais aucun mod. Attendez, j'essaie le coup critique parce que. On m'avait expliqué. Oh putain. Que si je tombais sur un animal. Je me souviens dans la vidéo de présentation que j'avais fait avec Karma. On n'avait pas parlé de ça, les coups critiques, mais bon, tant pis. Oh, j'entends déjà des zombies et des squelettes. Non, c'est que des zombies, ça. Histoire de bien commencer. Bon, les veines de bois, ça ira. Et là, on va partir chercher un petit endroit tranquille. Un petit endroit tranquille. Où on pourra faire notre petite première maisonnette qu'on améliorera au fur et à mesure parce qu'au début je vais faire genre une petite truc en carré puis le but du jeu je pense quand même ça va finir avec une maison potable genre celle que j'ai sur Minecraft Europe et dont vous pouvez retrouver les screens sur Facebook et que j'ai mis à jour il y a pas longtemps grâce à la 1.8 vu que j'ai changé à peu près vu que j'ai changé je suis passé d'une base en stone à une base en briques de stone et de toit en cobble qui entoure du bois à du toit un toit en escalier en stone qui entoure du bois. Ici ça m'a l'air cool. Hop. On va juste un peu ratiboiser là. On va ratiboiser ici. Histoire de pouvoir avoir un petit emplacement safe, tranquille.
Donc voilà, je vais essayer. Le plus dur, je pense, ça va être de réussir à meubler tout ce bordel. Donc déjà pour meubler, bah, je peux vous remercier parce que maintenant vous êtes 200 abonnés. Vous n'êtes pas 200 dessus parce que je sais qu'il y en a que je connais IRL qui sont abonnés pour me faire plaisir et qui me suivent pas vraiment, même si je cautionne pas ce genre de choses. J'ai envie de dire, si jamais vous aimez pas ce que je fais, ne regardez pas quoi. C'est voilà. Bon, ils font ça pour me faire plaisir. Je leur dirai jamais, enfin, je les insulterai jamais pour ça, mais j'avoue que je préférais qu'ils me disent ce qui leur plaît pas, qui voilà, bref. Alors. Alors. Donc on va commencer notre maison en format hyper light. Je vais déjà préparer ma table de crafting. Voilà, parce que j'ai la flemme. Hop. Benchmarking. Oh. Merde. Voilà, petite maisonnette au début. C'est vraiment pour être tranquille et pas se choper des mobs à plein la gueule. Voilà. Sans vitre, sans rien, parce qu'on est des oufs. Pour l'instant, c'est rien de passionnant. Mais malheureusement pour vous. Hop, une porte. Yara. Hop. Foutre un seul petit endroit pour que la lumière passe. Et là. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Hop là, hop là. Hop là, hop là, boum. Je vais faire un coffre aussi parce que je suis quelqu'un d'extrêmement casse-couille avec ça. C'est que j'ai besoin de bien m'organiser. Sinon, ben, je me sens pas bien. Hop. Bon, on va mettre ça, voilà. Hop. Et on va aller un peu trouver de la cobble. Et il me faudra trouver des moutons aussi. Parce que j'avoue que j'aime bien avoir mon point de spawn à côté de chez moi. Et pas un endroit paumé ou je sais pas où. Oh, du bambou. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien faire? À part trouver un donjon et faire une maison à peu près correcte. Je ne sais pas. Sachant que je suis une bite en construction, ça risque de pas être drôle pour vous. Dans quoi je suis bon en Minecraft? Rien. Je suis bon à me balader. C'est tout. C'est rigolo aussi que je m'installe dans un village de PNJ. Genre que je squatte le village, quoi. Doupidoupidou. Alors. Tiens, c'est bizarre, s'il passe quoi là? Ok. Ainsi, on t'en boucle dans chunk. Oh, puis vous savez quoi, hein, je connais qu'une bonne solution pour trouver de la cobble et des mines et tout le bazar. Non, pas ça, ça je le garde au cas où. Je connais qu'une bonne solution. C'est miner. Voilà. Comme je disais,
Je ne connais qu'une bonne solution. Donc on va miner un peu de cobble histoire de se faire les outils de base. Enfin, vous connaissez le jeu, merde. Et si vous connaissez pas, bah je sais pas, regardez. Vous verrez peut-être un truc intéressant de temps en temps. Lol. Qu'est-ce que je pourrais dire pour meubler? Tiens, j'ai une idée. Et si je vous racontais pourquoi, comment, grâce à qui et pourquoi je fais des vidéos? Oui, parce que faut savoir que ben, il faut bien quelqu'un ou une étincelle ou quelque chose dans votre tête qui fait vous dire que vous allez faire des vidéos, non? Bah, si vous voulez savoir, vous avez le droit, si jamais vous aimez ce que je fais, de remercier mon cousin, que je vais saluer d'ailleurs. Salut Alex, j'espère que tu... Si jamais tu regardes cette vidéo, j'espère que... Enfin, j'espère que tu regarderas au moins cette vidéo histoire que tu puisses entendre ce petit remerciement que je te fais, parce que si vous voulez savoir, au début, je commence à capturer avec un Dazzle. Et le Dazzle, eh ben en fait, c'est mon cousin qui me l'a offert. Et le pire, c'est qu'il me l'a offert sans raison particulière, quoi. Il m'a dit, j'avais envie de te faire plaisir, donc voilà, je t'ai... Dis-moi ce que t'aimerais bien faire. Je vois que tu fais des vidéos WoW, ça te dirait de voilà, d'acheter un petit boîtier d'acquisition, tout ça. Et puis, il m'a fait, en plus, je m'y connais un peu, donc jamais tu peux... Jamais t'as besoin de conseils, tout ça, je fais, pas de soucis. Et puis voilà, et donc du coup, il m'a acheté le Dazzle, et puis du coup, je me suis mis à faire des vidéos. Et j'ai fait mes premières séries de vidéos hors World of Warcraft, qui étaient... Qui étaient, bah... Hors World of Warcraft, qui était bah, le Walkthrough de Wind Waker, un jeu qui a marqué mon enfance, enfin ma jeunesse, enfin ma petite jeunesse. Alors il faut savoir que je suis quelqu'un qui est extrêmement de... Oh shit. Alors, rentrons à la maison en sécurité, très relative sécurité, je vous le concède. Dites-moi que j'ai gardé du bois. Ah, vite, vite, mission récupérage de bois express. Vite, 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 vite. C'est pas le moment de rester dehors. T'as pas d'armes, tu vas te faire défoncer. Bon. 5, c'est déjà mieux que rien. Je vais marquer l'entrée là. Voilà, genre il y a un petit trou. Alors, je prends ça, et je me fais un four. Et le but va de me faire du charbon avec du bois. Et en plus, j'ai de la lumière, ça c'est nice. Alors, oui, la cobble. Toc, toc, toc. Tiens, d'ailleurs, on pourrait s'amuser à faire tous les achievements comme on les a. Ah là. Alors, on a. Time to farm. The lie. Catch a cockfish. Il y en a pas beaucoup, quoi. Alors, oui, je voulais faire quelques bâtons de plus. Voilà. Voilà, deux charbons, c'est déjà mieux que rien, je vous dirais. Tac, tac. Et je peux éclairer mon petit chez moi. Voilà. C'était le minimum syndical, dirons-nous. Là, je vais me faire une pelle. Hop, une épée. Et vous savez quoi? Comme je suis un fou furieux, je range tout ça. Tac, tac, tac. Tac. Tu. Comme je suis un fou furieux, j'ai juste espéré pas trouver sur un creeper cache, c'est bon. Beaucoup de zombies ici. Rêve. Level up! Tiens, mais crève! Tiens, il m'a donné quoi? Fais gaffe. Mouton, mouton, mouton! Je bouffe un coup. Deux coups. Oh! C'est le con. Faudrait encore un mouton
Alors. Vous avez vu ce que j'ai vu? Ha! Ha! Aïe, dur. Ok. J'aurais pris, espéré très fort qu'en fait, ce soit parce que je me suis mis comme ça que je déviais les flèches, mais apparemment non, c'est juste qu'ils n'avaient pas visé. Il me faudra un dernier mouton, les gens. Un dernier petit mouton. Un dernier petit mouton. Aïe, zombie. Time to die, motherfucker. Aïe, sale con. Tiens, j'ai dit time to die, motherfucker. Non, j'avais pas des hallucinations sonores. Il y a bien un autre zombie, je sais pas où il est. Zombie. 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 B. B. Là, je suis en train de massacrer la chanson de Cranberry. Time to die. Tiens, crève. Un mouton. Un mouton. Une vache. Je ne suis pas une vache à lait. Non, tu n'es pas Alistar. Crève. Alistar, c'est dans LOL. Je me demande si. Ok, je one shot les petites merdes. Bah, vous savez quoi, j'essaie d'obtenir du cuir. Putain, mais je l'ai one shot? Je l'ai one shot? Ah bah non. Merci, ça me rassure. Je vais monter ma barre de bouffe à fond. Voilà. Et je vais partir à la recherche du mouton perdu. Oh shit. Pourquoi fallait que je tombe sur un Enderman cash? Vous savez quoi? Tant pis. Salut. What? What? Quoi, STP? Tu sais que t'es qu'un connard. T'es vraiment qu'un sale con. Touché. What? Mais crève! Où il est ce con? Fou, je tape comme un autiste, je tape comme un autiste, je tape comme un autiste. Où es-tu, Slenderman? Où es-tu, où es-tu, où es-tu, où es-tu, où es-tu? Je l'ai vu. Il est où? Il est où, il est où? J'ai peur. Maman! Oh putain, un creeper. Salut. Tu sais que tu te déguises. Mais je l'ai tué ou... Je flippe à mort là. Oh, il a déplacé un bloc de là. Où est-il? Bon, en tout cas, les Enderman ne bug pas en solo, vous avez pu le voir. Il m'a carrément cache regardé dès que je l'ai pointé. Alors qu'un multi avec Karma, ben non, ça l'avait pas fait. Hein. Il se contentait de nous ignorer royalement. En tout cas, j'ai plein de bouffe. Mais maintenant j'aimerais avoir un peu de laine. De la laine, je vous en supplie. Putain de moutons de merde, ils sont jamais là quand on a besoin d'eux. C'est vraiment des sous-merdes ces moutons. Moutons, bah, où êtes-vous? Bon, mon cri de mouton ne l'encourage pas à venir. Pff, mais qu'est-ce que j'ai flippé quand j'ai point. Oh nice. Une crevasse, du fer. Putain, j'ai du cul, je suis pas à côté d'une crevasse. What? What? Ah, depuis que tu dois charger ton arc, toi t'es deg, hein? Aïe. Aïe. Non, en fait t'es pas si deg que ça, mais. Oh, le jour se lève.
Putain d'Enderman. J'ai encore peur de lui, vous vous rendez compte? Je suis sûr que je l'ai buté, mais j'en ai encore peur. Est-ce que j'ai pas récupéré une Enderpearl? Non, ça aurait été trop beau. Pas pendant que je bouffe. Salope! Quoi, c'est vrai, c'est une salope. Elle m'a agressé pendant que je bouffais. Mais si j'ai une crevasse juste à côté, c'est nice. Ça veut dire que je pourrais aller chercher du charbon et du fer so easily. D'ailleurs, faut depuis la même point de façon. Apparemment, Notch a encore multiplié le nombre de fer et de charbon présents sur une map. Donc en gros, maintenant, c'est même pas dur. Alors que je me souviens au début de Minecraft, vas-y pour trouver du fer, j'allais dire, mais j'en ai sous mes pieds. Bon. Bon, des fois, t'as envie de faire what the fuck, quoi. Alors, je récupère un peu de terre. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Ok. Tuck. Tuck. Oh, fail. 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 Dirt. Où est-ce qu'elle était la crevasse? Elle était là. Non? Juste derrière cet endroit. Ah, la voilà. Il y a un truc en train de crever en dessous. Alors. Ah, je vise quand même pied. Hop là. Voilà, j'en étais sûr. Cette connasse allait tomber. Bon. Wouh, j'ai failli me tuer. Technique de l'ascenseur. Heureusement que les chansons à cappella ne sont pas soumises au droit d'auteur. Oh, vas-y, y a un creeper sous mes pieds. Crevard. Bah, y en a un qui s'est suicidé là. Oh la vache! On ira explorer ça plus tard. On va faire comme si j'avais rien vu parce que je sens venir le gros truc merdique. En attendant, mâche charbon égale Adrin heureux. Je suis heureux, 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 heureux. Putain, mais ta gueule, putain d'araignée, je sais pas où t'es, mais tu me casses les couilles. Vous croyez que ça existe les donjons d'Enderman? Ça doit être chaud! Genre, le mec, t'en regardes un, ils sont tous en train de te défoncer la gueule, ils se téléportent dans ton dos, genre, what the fuck? Ok. Salut toi. Je suis sûr que je serais ravi de faire ta connaissance. Ou pas. Putain, mais il y a du fer partout. Oh, un bug de luminosité. Bon, excusez, je casse ma pioche en bois. Il va déjà falloir que je me fasse une RP. Et quand tu parleras français, ça ira mieux. Je disais donc, il va falloir déjà que je me refasse une petite épée. Nice. Mais vas-y, mais c'est quoi ce filon de charbon de gros psychopathe? Merci, 1.8. Vous êtes gentil avec moi, vous. J'ai décidé de faire ma petite aventure au bon moment, j'ai l'impression, puisque là, j'aurais pas pu rêver mieux. C'est quoi? On va monter là-haut, on va prendre le fer et puis on va se casser, hein? Top, 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 top. Je suis en train de déformer la crevasse, mais c'est pas grave.
Hop, on va monter comme ça. Hop. Hop. On monte, 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 c'est la voix qui te plaît. Et tu chantes, 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 c'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne. Heureusement que j'écoute du métal. Hein. J'aimerais bien trouver la lumière quand même. Merci. C'est cool. Alors, est-ce qu'on n'a pas un petit peu de fer voir ici? J'ai envie de dire, allons voir ça de suite. Et qu'est-ce qu'un arbre fout ici? Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce qui branle ici? Oh tiens. Et ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit, réveille en moi un tourbillon de folie. Pourquoi j'ai une chanson dans la tête? Je ne me rappelle pas l'avoir écouté récemment. C'est pas trop mon style, on va dire. Mon style, c'est plutôt écouter genre Follow the Reaper et dans le métro, quoi. Mais bon. Pas du tout. Les démons de minuit. Non, c'est pas les démons de minuit. Si, c'est ça, en plus. Non, les démons, c'est les démons de minuit. T'entraînent jusqu'à l'insomnie. Merci, la lumière. Hop, on va finir. Notre montée de la mort. Ah. Ah ben non, en fait. Oh, sick. And destroy. Du. We're scanning the scene at the scene tonight. We're looking for you. Me voilà sorti. Bon, alors là, je suis sorti de quel côté de la crevasse? Oh, j'ai que 9 de. J'ai. Ah. Dur. Dur, dur, dur. Dum, dum, dum. Voilà, je la rouvre parce que voilà. Tiens, je vais faire une trappe, tiens. Ouais, c'est vrai que j'ai tout foutu dans le coffre déjà. Alors, hop. Hop. C'est un fail. Ok, d'accord, on va dire que c'est bon, hein. Jamais été doué pour placer les trappes, de toute façon. Je voulais faire quoi? On va peut-être commencer par faire ça. Hop, puis ça. Hop. Faut que je commence à grandir déjà. Faut faire un second coffre. J'ai de quoi me faire une partie d'armure. Oh, putain de coffre. Alors, je vais me faire quoi? Allez, les boots. Quoique. Façon. Je me ferai tout alors. Vous avez vu mon skin de Batman? Haha. Pourquoi le skin de Batman? Parce que je suis passé super modérateur sur Minecraft Europe. Et comme je suis un super modérateur, il me fallait un skin de super-héros, vous voyez, c'est genre complètement débile. Bon, attendez, vous savez quoi? On va essayer de chasser du mouton. Ah, mais il fallait que je m'en fasse une épée. Oh, je me la referai plus tard. Je me la referai dans les prochains épisodes. Putain, mais depuis quand ils font autant d'œufs? Genre, poule! Poule! Bref. Mouton. Venez me voir. J'ai besoin de. Mais cool. Alors, là je prie pour que ça accepte les couleurs différentes. Même si je pense que ça sucks.
Ah, pourquoi j'ai joué à Borderlands avec Arma? Depuis, j'ai le titu dans la tête tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, vous savez quoi? Je vais cramer mon épée en fer, au pire, on s'en branle complet. Mon épée en fer, mon épée en pierre. Ah, crève. On va voir. Montons un point plus élevé. Putain de mouton de merde. Bande d'enculés! Bande d'encubés! Ok, non, c'était nul. Mais attendez, vous savez quoi? Quitte à cramer mon stuff. Voilà. Je récolte un peu de dirt. Pendant que je récolte du bois aussi. À la recherche du mouton perdu. Et la chanson que j'ai dans la tête, c'est tum, 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 tum. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais elle y est. Déjà la nuit se couche. La nuit se couche. La nuit se. Oh, la journée se couche, la nuit se. Voilà. Mais t'es pas sérieux qu'il n'y ait pas de mouton au kilomètre, quoi. On va donner de l'espoir, bande de cons. Là, on a des poulpes, la canne à sucre et la nuit qui tombe. La nuit qui se lève, le jour qui tombe, qui se couche. Bon, ben, retour à la base, hein. C'est pas comme si je me baladais avec une épée à moitié explosée, mais c'est tout comme. Sprint! J'ai pas vu un mouton ou je rêve? Mouton. Non, c'était un putain de poulet. Oh, un creeper. Oh, des poulets. Ouais. S'il y en a un qui a pop là-dedans, je suis dégavi. Non, c'est bon. Alors. Tentative désespérée. C'est métal. Voilà. Ok, j'ai la tête dans le four. Ça brûle. Bon, voilà. C'était juste pour changer mon point de spawn. Steak. Bon, vous savez quoi? Je vais bientôt vous quitter, mais avant cela, tech, il faudrait que j'aille faire une. Je vais me faire. J'ai de la cobble. Non, j'ai avoir du. Bon. Je vais meubler. J'ai le droit d'être franc, je sais absolument pas d'où je sors ce rythme. Hey, Madness. Alors, je vais cependant me faire une hache en pierre. Voilà, puisque je vais pas avoir beaucoup de fer, même si il y a moyen que j'en récolte beaucoup. Je vais me faire non, deux pelles, deux pelles. Téléphone de merde. Voilà, bon ça va, il a pas sonné longtemps dans dans la maison, quelqu'un a décroché très vite. Yeah, j'ai assez pour faire ce que je veux. Yes, donc. Oh putain, putain de.
Oh, je suis un boulet. Et donc, je vous dis ciao les gens. Je vais attendre d'avoir vos réactions et ce que vous voulez que je fasse. Je sais pas, parce que là, j'y vais un peu à la one again. J'ai dit que je visais à peu près 10 épisodes, donc bon. Voilà. Donc voilà, j'attends vos commentaires pour savoir ce que je peux branler là, parce que sinon ça va être très vite chiant. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'oubliez pas, cette vidéo était sponsorisée par les boulangers SOLSD. Coucou pro, t'as vu, j'ai gagné mon pari, j'ai gagné mon pari. Allez, ciao les gens.